Salut tout le monde, c'est bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est dans l'épisode 2 de DZ Origins. Vous vous souvenez, on a fait le tour de la ville qui est là-bas. Donc là, j'ai pas trop m'écarté parce qu'il y a un zombie à côté de moi. J'ai vu qu'il y avait un mirador là-bas, donc on va y jeter un coup d'œil. Elle est partie, ça, j'entends le zombie qui approche. Comme vous pouvez voir, le mirador est en plein milieu d'une zone dégagée, donc il va me poursuivre. Je vais le larguer. En plus, ça m'a fait des choses là-bas à découvrir. Qu'est-ce que c'est ça? Donc là, je l'ai raté. Le zombie m'a repéré de hyper loin et là il veut pas me lâcher, alors que l'autre fois les zombies m'oubliaient, me perdaient tout de suite. Donc là, je vais peut-être le larguer, peut-être pas jusque là-bas dans la forêt, mais moi jusqu'aux arbres là-bas. J'aime bien jeter un coup d'œil dans le mirador, voir s'il n'y a pas des choses à récupérer. En général, il y a des armes, voire même des bandages. Donc là, j'ai de la chance, il m'a pas fait mal. Donc, je suis vraiment désolé, là il n'y a pas envie de me lâcher, je vais le larguer là-bas dans les troncs, donc là je sais que ça gagne un petit peu. Là-bas ça devrait aller, j'espère que je ne croise personne. Donc celui-ci il va pas me lâcher, zut! Pas de chance. Zut, il va pas me lâcher. Les troncs sont bien vite face à ce que je suis obligé de faire tout. À première vue, c'est bon. Tout à l'heure, j'ai loupé. J'ai loupé, mais vraiment n'importe comment. J'ai tiré dans le vent. Le stress. Là, la partie, donc, là, je vais là-bas. Et j'en ai encore un qui est à côté. Donc en général, à côté des miradors, c'est des soldats. Il m'a repéré direct. Je vais baisser. Est-ce que tu as quelque chose sur toi? Tu n'as rien. Mais il y avait un soldat, donc... un soldat, ça dit peut-être munitions là-haut. Qu'est-ce que j'ai de beau? J'arrive pas à voir ce qu'il y a. Donc là, ça je pense. Je vais lâcher quoi? Enfin, je vais peut-être garder ça. Non, il n'y a rien d'intéressant. En soif, je vais peut-être. Ça fait cave, nourriture. Ouais, je vais peut-être manger et boire tout de suite, comme ça fera de la place. Et
Et là, donc j'avais quoi d'autre? Ça j'ai encore. Ça je l'ai récupéré, ça je vais reprendre alors. Impeccable. On redescend. Où est-ce que je pourrais aller? Tout à l'heure j'ai vu des choses. Par là-bas. On va aller voir ce qu'on peut trouver debout. Donc là, je suis fort à découvrir ce genre de truc. Très déconseillé. Pas pour les zombies, hein. Les zombies s'en foutent. C'est surtout les autres joueurs. Les mecs qui courent comme moi là-bas, vous voyez, là-bas dans le fond. Vous voyez tout de suite une ombre se déplacer, c'est pas normal. Les petits arbustes là-bas, vous voyez, on voit un petit point. Donc, si je sais voir un arbuste, je sais voir un autre joueur, ça c'est sûr. Donc on pouvait entendre la musique très pesante. Et on arrive tout doucement vers de nouvelles habitations. C'est vraiment très joli. Bon, je reste sur mes gardes, je reste dans les hautes herbes. Il y a des zombies qui apparaissent. Bon, je fais gaffe à ce bâtiment-là. En général, c'est dans celui-ci que je me casse des membres. Bizarre, c'est vraiment étrange. C'est très rare que j'ai des zombies en intérieur, surtout là-haut. C'est pas normal. Vu qu'on est en intérieur, quand ça arrive, il ne va pas courir. Voilà. La musique s'est arrêtée d'un seul coup. Là, c'est hyper stressant d'un coup. Donc la hache, j'en avais déjà une, moi je vais faire attention. Il y a encore un là, je t'avais pas vu toi. Il y a encore un derrière. Mais ils sont combien ici? Impeccable. Je peux ramasser. Ça c'est bon. Est-ce que là où j'ai quelque chose, en plus je ferai attention. On va casser un membre. Et là où je n'ai rien. Donc en fait j'ai fait tout ça pour rien. Doucement, doucement. Donc là je cherche rapidement une ouverture dans le mur. Avant de passer, je trouve juste pas en plein milieu.
Mais j'ai canon. Du monde, du monde. Oui. Je vais vraiment voir ça par terre. Le problème, c'est que j'arrive pas à passer la porte facilement. Il y en a un autre, mais tant qu'il m'enterre, ça devrait aller. Ça, je prends pas. Ça, je le reprends. Il m'a dégagé quoi. Bon, tu peux me dégager ça. Tu peux te dégager ça. On prend une autre canette. Impeccable. Bah, t'avais quoi, toi? Si j'en ai pas besoin. Impeccable. Donc là, pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. Où est-ce que je peux aller? Là-bas. Là, je vais là-bas. Ici, c'est ouvert, impeccable. Là-bas, je vois des choses. Je sais pas si on peut y aller. Je pense que c'est là c'est qu'on peut y aller. Donc là on est arrivé dans un nouveau village. Je vois une église là-bas. Bon, je vais passer par là pour éviter les zombies. Passe pas. On t'a pas envie de passer. Hein. Et zut. Forcément esquivable, je dis qu'il est accroupi. Donc il y a d'autres zombies pas loin. Oh, tu m'as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Oh, tu m'as fait quoi? Vas-y. Sans boisson, j'étais bon. Nourriture, j'en ai un, boisson, j'en ai trois, je vais me débarrasser d'une boisson, je prends une boîte de nourriture, le reste c'est bon. Là, comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut, je vais pas être en manque de quoi que ce soit. Là, tu m'as perdu, donc c'est plutôt bon. Impeccable, impeccable. Là, je vais faire attention, ça risque d'être dangereux. Donc là, j'ai trouvé un fusil. J'ai pas pris de cartouche avec ça, c'est dommage. Je vais quand même le prendre. Bon, sûrement quelque part. Voilà, on peut aller chercher loin. Je vais peut-être me débarrasser de ça. Donc,
j'en ai pas besoin. Tout ça, c'était ok. Je crois que là c'est rouge. Est-ce que si je fais ça, c'est bon? Non, ça n'a rien changé. Non, c'est pas grave, c'est fou. Ça m'a fait de la place. Profitant de la place que ça a fait, je vais récupérer des autres cartouches. Pour avoir de surprise. Je peux pas la recharger. Il y a quelque chose derrière, j'arrive pas à venir. Bon, c'est pas grave. Bon, après, vu c'est pas les bonnes munitions, bon, c'est pas grave, on s'en fout. On s'est passé, j'ai mon revolver. Donc là, je suis armé et dangereux. Si bien sûr, ça c'est une évidence. Si je t'ai raconté, forcément, je suis un peu moins dangereux. Là-bas, quelque chose, je jette un coup d'œil. Ici, je peux jeter un coup d'œil aussi. J'en ai pas besoin. Si je vois qu'il y a des pièces pour réparer une voiture, et je n'ai pas vu de voiture à ma connaissance. Je vois qu'il y a un hélico, j'ai juste un coup d'œil. Ouais, bien le mode DZ d'origine est franchement pas mal, hein. Mais pour l'instant j'ai pas encore croisé d'humain, ben recroisé d'humain. J'en avais croisé hors vidéo. Mais pour l'instant j'en ai pas encore croisé pour l'instant. Ça c'est des humains. Mais des humains pour faire beau, des humains qui se sont crachés, ça c'est la bonne question. Question. Première vue, moi je dirais que c'est les humains. Oh, peut-être pas, non, c'était fait pour faire où. Ce jeu qui est des Miradors, c'était une base militaire. Et j'ai vu là-bas qu'il y avait quelque chose. Je vais jeter un coup d'œil après. Je vais jeter un rapide coup d'œil ici. Si je peux monter, je peux monter. Si elle veut monter, elle veut monter. Allez, regardez là-haut rapidement. Il n'y a rien. On descend. Ceux qui se demandent, c'est des joueurs. Oui, il y a des joueurs. Oui, oui, il y a tout ça comme joueur. C'est que pour l'instant, j'ai pas eu la chance d'en croiser. Je pense que ce coup, c'est un humain. Esquive. Là d'un coup c'est beaucoup moins impressionnant. Là mais d'un coup je suis un petit peu bloqué. Donc là je sors d'ici. Je peux pas sortir par derrière. Je sors d'ici.
Moi, je m'embête pas à regarder les autres Miradors, je ne sais rien, je perds mon temps inutilement. Je fais un coup d'œil ici après être passé par là-bas. Les sommets. Il n'y a rien, mais ça va sommer un petit peu. En plus, c'est de la poisson fou. J'attends quelques secondes qu'ils arrivent. Je vois qu'on est déjà 20 minutes de vidéo. Je vais peut-être le découvrir après, arrêter. Comme ça, c'est beaucoup moins long pour vous. J'ai fait de petits épisodes. Parce que c'est vrai que 45 minutes, c'est un peu long à regarder. Donc là ici je vois que j'ai d'autres cartouches, parce que c'est les bonnes cartouches pour mon flingue. J'en ai aucune idée. C'est pas les bonnes. Je vais récupérer. Les gars. Regardez, et que vous avez pu entendre, il y a quelqu'un qui parlait, donc je ne sais pas s'ils sont loin ou pas, mais je dois faire gaffe. Je vais rapidement me mettre à couvert. Je vais me mettre à couvert pour pouvoir arrêter donc cette vidéo, cette seconde partie. Qui ne s'est pas trop mal déroulé et impeccable. En plus, je trouve un vélo que je peux rouler. Enfin, que je peux rouler. Oh là là, je parle bien, là, je parle bien le français. Que que je peux prendre pour partir plus loin. Donc là, je risque de partir un peu plus vite vers d'autres villes. Donc ça va être intéressant, je pense, dans le prochain épisode. Voilà, donc pour cette seconde partie, on va en rester là. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous pour la troisième partie. Allez, salut, à plus.